comment développer ses ventes en ligne? Vous proposez des formations aux entreprises et aux professionnels. Nicolas Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et président d'E-Commerce Nation. Jean-Marc, la formation e-learning a désormais reçu la certification Calliope. Bonjour. Bonjour. Votre métier, c'est quoi exactement alors? C'est d'aider les gens de se faire référencer par Google? Entre autres. Notre mission, c'est de former les entreprises au e-commerce durable. On a pour mission... Au e-commerce durable? C'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle le e-commerce durable? On le définit sur trois axes. C'est-à-dire cet aspect d'être rentable. Pour une entreprise, c'est important d'être rentable et de pérenniser son activité. Il vaut mieux quand même. Prendre en considération... aussi les enjeux locaux, c'est-à-dire de produire en local, parce qu'on voit énormément de dropshipping ou de e-commerce un peu à l'étranger. Et puis aussi, d'être soucieux aussi de l'environnement, puisque de faire du e-commerce, c'est pas seulement expédier des produits partout dans le monde, mais c'est aussi de comprendre par rapport à ça. Donc ça, c'est notre mission. Et on le fait à travers de l'information. On a un média où on diffuse des articles, des livres blancs pour documenter les entreprises. Ouais. Et puis également, on les forme avec de l'e-learning, de la formation digitalisée. Et donc, vous êtes payé comment, vous? Alors, parce que vous êtes une entreprise. Totalement. Nous, on est payé lorsqu'on fait de la formation auprès des entreprises. Et donc, elles vont nous payer pour pouvoir les accompagner dans cette transition vers le e-commerce. Classique. Mais pour ce qui est le référencement, pour ce qui est de la mise en relation avec le client, vous avez des abonnements, vous montez des opérations et des... Alors nous, on est purement sur l'aspect B2B, donc on va accompagner les entreprises à développer leur chiffre d'affaires. Donc on va leur donner des ressources, des outils, comme par exemple un business plan ou un plan d'action, comment structurer son plan d'action pour le e-commerce et pour se développer. Et donc vous fonctionnez avec des logiciels SaaS ou vous êtes en mission directe dans l'entreprise? Alors on va avoir un réseau de partenaires avec... tout type de partenaires, ça peut être des solutions de paiement, des plateformes e-commerce. Et donc, on va avoir aussi cet aspect média, puisque ce sont des partenaires médias qu'on va pouvoir aussi préconiser par rapport à nos apprenants sur la partie formation. Vous venez avec un blouson, là, avec des logos, avec des noms, ce sont vos clients? Alors non, nos clients, ils sont malheureusement pas encore sur la veste. Ouais. Mais en fait, on a ce rôle d'explorateur du e-commerce, puisqu'on est une jeune équipe basée à Caen qui a 26 ans de moyenne d'âge. On se revendique pas comme des experts, mais comme des explorateurs. Et le rôle d'un explorateur, c'est de découvrir un nouveau territoire pour fédérer la nation du e-commerce. Ouais. Et donc ça, c'est un... Là, vous êtes en train de découvrir de nouveaux territoires. C'est ça, j'explore Bismarck aujourd'hui avec vous. Mais Nicolas, c'est votre nom, c'est totalement, votre prénom. Totalement. Ouais. Et votre drapeau, tout ça. Non, mais c'est intéressant, on dirait un spationaute égaré dans l'espace du e-commerce. Quoi. Totalement, enfin, égaré, c'est exactement ça. Je suis pas sûr d'ailleurs. Vous êtes travaillé essentiellement en Normandie ou vous travaillez sur la France entière? On travaille sur la France et sur l'Europe. Aujourd'hui, e-commerce Nation est présent sur 5 pays, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et la France. Ah oui, vous avez démarré ça quand? J'ai démarré ça il y a 6 ans. 6 ans, avec beaucoup d'argent au départ? Au départ, c'était un simple blog et puis ça a continué de se développer et on a fait notamment une levée de fonds en 2018 pour se structurer et accélérer notre développement. Et vous avez trouvé les fonds auprès de quoi? Auprès de l'entourage ou auprès des investisseurs normands. Vous connaissez bien la Normandie, donc il y a un terreau qui est très fertile et notamment du côté de Caen, on a été très bien accompagnés. Enfin, le terreau très fertile, il produit surtout des chevaux de course. Hein. Entre autres, et puis est très fertile aussi pour l'agriculture. Ça s'appelle e-commercenation.com. .fr pour les francophones et puis .com pour les internationaux. Merci. Merci Nicolas Chevalier. Je rappelle que vous êtes fondateur et président d'e-commerce Nation, web, média et centre de formation.